Salut les scènes et bienvenue sur J-Collection. J-Collection, la chaîne de toutes vos passions. Et ouais. Ça, c'est très bonne idée parce qu'aujourd'hui, justement, on est très passionné par la collection, les produits dérivés Dragon Ball, etc. On a un super concours en partenariat avec Kameashop. Kameashop. Que l'on remercie. Déjà, merci Kameashop. C'est le deuxième. Le premier, vous pouvez cliquer juste ici. Vous aviez eu à gagner la DXF de Trunks qui est juste ici, là. Voilà. Là-bas. Vous aviez également eu un t-shirt. Il y avait aussi les styling figures de Lunch et de Trunks. Donc il y a eu 3 heureux gagnants. C'était Gohan. De Gohan, ouais, de Trunks. Ouais. Voilà, trop de Trunks, tue le Trunks de Gohan. Ouais. Et on remet ça. Nouveau concours. On commence tout de suite par le lot numéro 3. On vous expliquera tout le déroulement du concours en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, c'est très important. Et puis on remercie aussi Kameashop qui m'a enfin eu la veste dont je vous parlais en vidéo. Vous priez tous pour moi pour que je l'ai cette veste. Et merci parce que je l'ai eu. Et merci Kameashop du coup. Qui donc m'a fourni cette veste super de Capsule Corporation que j'attendais depuis longtemps. Ah, en tout cas, c'est cool. Une très bonne boutique et qui sont animés de passion, tout comme nous. Et le lot numéro 3, ça sera donc Golden Frieza WCF. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est donc une WCF. Donc c'est des figurines assez recherchées et qui coûtent vite très cher dès lors où vous n'avez pas sauté sur le stock. Ouais. Donc petite figurine qui doit faire aux alentours de 7-8 cm, quelque chose comme ça. 10 cm, je dirais. Ou peut-être plus, ouais, après, voilà, c'est à l'œil. Elle fait quasiment la taille de la boîte, donc grosso modo cette taille-là. Elle est scellée. Ça fait cette taille-là. Déjà, il faut dire que ça fait cette taille-là. Elle est scellée puisqu'elle est à gagner pour vous et ça sera le lot numéro 3 en participant au concours. Une figurine de Golden Frieza, on peut pas plus dans l'air du temps. C'est ça. Donc, on va s'écarter juste au dos pour vous montrer au milieu une photo parce que bon, on va pas la déballer sinon c'est dommage. On préfère vous la envoyer neuve. Donc, voilà, c'est déjà le lot 3. Ça annonce la couleur donc on la met là en attente d'un gagnant. Elle est dans le décor et elle est en attente justement du gagnant de. Alors, comment ça se passait? Vous le saurez en fin de vidéo, mais grosso modo. On va tout vous dire. Il y aura les 3 réseaux sociaux, hein, donc évidemment, comme d'habitude. Le lot numéro 2. Le lot numéro 2, on reste dans le thème, encore avec Frieza notamment pour celle-ci. Et c'est donc le scooter de Frieza. Voilà. Donc, le rouge, hein, bien entendu. Il existe donc 3 modèles dans cette série en rouge, en bleu et en vert. Et pour l'occasion, on vous offre celui de Frieza. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réplique et vous avez le bruit directement comme l'animé qui sonne, qui se met sur la tête. Trop bien. Donc c'est pseudo taille réelle, hein, quasiment. Et voilà, c'est vraiment un bel item. Oh, ça tue sa mère. Donc encore une fois, il est donc neuf scellé. Donc on va s'écarter, on va vous montrer une petite photo. Voilà, c'est celui-là. Et puis voilà, ça sera donc le lot numéro 2. Ouais. Et on va donc enchaîner par le gros lot. Le gros lot. Qui a un rapport un peu avec cette tenue, je crois. Voilà. Je crois. Lundi, c'est là. Voilà. Lundi, c'est là. Et vous avez remarqué, moi, je suis avec la veste Capsule Corporation. Je vais me battre contre lui. Je vais sortir mon épée. C'est ça. Et je vais devoir l'affronter parce qu'il a la tenue. Il a la tenue. Pourquoi il a la tenue? Il a la tenue parce que ça. Parce que le lot numéro 1 n'est autre que la DXF de Goku Black, donc sortie dans la série The Super Warriors Volume 2, voilà, qui est donc sortie avec Trunks Super Saiyan, donc la même que celle qui était à gagner au premier concours, mais cette fois-ci en Super Saiyan, qui est donc ici. Et nous, on va vous offrir cette figurine. Elle est à vous, elle est à vous. Enfin, celle-là, c'est la mienne. Montre-la leur. Voilà. Celle-là, celle que vous allez gagner, elle est scellée. Vous voyez, tout est fermé. On l'ouvre pas, celle-là, on la met de côté. Elle va vous être envoyée. Enfin, elle va être gagnée. Par quelqu'un. Elle va te gagner par quelqu'un. J'allais dire, elle allait être à gagner. Donc elle est... Par un G collectionneur. Celle-là, je vais l'ouvrir. Histoire de vous proposer un unboxing en plus du concours. Comme ça, vous verrez au moins à quoi ressemble cette figurine de Goku Black. Et surtout ce que vous allez pouvoir. Qui est sortie cette année. Elle est sortie cette année. Donc, elle est très récente. Hein. Ouais. Bon, presto. Hein, donc, comme d'habitude, vous avez le petit plastique. La figurine est en 2 pièces. Il y a la tête qui est séparée. Et c'est une très belle figurine. Vous avez vu le Trunks déjà derrière. Vous aviez eu un unboxing en même temps que le concours également. Mm. Je crois. Oh putain, le visage est vraiment pas mal. Regardez-moi ça. Le visage, je sais pas si on peut avoir un beau focus. La boucle d'oreille est limite transparente. Voilà. Regardez-moi ce regard. C'est pas Goku Black, ça, sérieusement? Là, il vous regarde, il va vous mettre une tannée. Hein. Et là, on n'entend pas la musique. Moi, j'y sais ça. C'est ça, moi, je dis c'est ça. Et là, hop, le corps, oh là là. Et on va lui mettre sa tête. Elle est quand même plus grande que ce que je pense à chaque fois, les DXF, je suis toujours surpris. Ouais. Je les trouve, tu vois, 2-3 cm plus grandes que ce à quoi je m'attends tout le temps. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la boîte, peut-être qu'elle envoie. Alors, je vais vous dire un truc en toute confidence. De toute manière, c'est une figurine que vous aurez gratuitement, hein, c'est un concours. Vous voyez la boîte, vous voyez le Goku Black, c'est bien, voilà, c'est sympa, c'est Goku Black, la pose est cool. La figurine, la figurine, le visage... est plus beau que sur la boîte. Sur la boîte, on se dit,
Ah, j'espère que le visage sera bien parce que le sourire est un peu spécial. Et je vous jure que la figurine est plus belle que ce qu'on voit sur la boîte. Je confirme. L'anneau et tout qui est présent, bien sûr, sur sa main, vous pouvez voir ici. Si on peut avoir un focus. Voilà, en 2025, le focus, je crois. Vous voyez donc la bague qui est présent. Et on va essayer de vous présenter la figurine dans son ensemble, comme on l'avait fait avec Trunks. Ah. Voilà. Essayez de remonter, du coup. C'est juste que... Voilà. Regardez-moi ça. Là, il va taper quelqu'un. Il est vraiment stylé, hein, franchement. Et ce que j'adore le plus, c'est le détail qui tue pour moi. En plus de la peinture dans les bottes, voilà, vous voyez des petits reflets et tout, c'est la boucle d'oreille qui est transparente. La potala est transparente, c'est-à-dire que ils ont mis une sorte de résine transparente. C'est vraiment bien fait. Et ouais, bah là, nous, on a la lumière juste là. Ouais. Effectivement, quand on la regarde comme ça, elle apparaît vert, c'est limite vert émeraude, quoi. Elle est excellente. Franchement, encore un très beau travail de la part de Bam Presto pour une figurine de cet Akabi. Ouais, franchement, voilà. Magnifique figurine, on va la poser sur son socle et elle va aller rejoindre Trunks du futur, donc vous l'aurez derrière pour toutes les vidéos. Donc ça, c'était mon exemplaire et évidemment, celle qui a gagné, c'est elle la est même. Là. Elle et est là, pour vous. Elle est là. Alors comment ça se déroule ce concours? Il est simple le concours, c'est toujours la même chose. Premièrement, il faut forcément que vous suiviez et que vous soyez abonné à la chaîne J-Connection, cela va de soi. Et après, c'est super simple. Si vous êtes sur Twitter ou alors sur Facebook ou alors sur Instagram, les règles sont les mêmes. Il faut aimer Kamea Shop, donc la page du réseau des réseaux sociaux qui sont associés, J-Connection associé au réseau sur lequel vous êtes. Et c'est tout, vous commentez comme que vous avez participé, vous taguez un ami, pas parce que comme ça il y aura plus de gagnants, et c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Voilà. Et ça va se dérouler sur 3 réseaux sociaux pour justement vous faire plus de chances de remporter ces prix. Il y aura Facebook comme à l'accoutumée, il y aura Twitter comme à l'accoutumée, mais il y aura cette fois-ci Instagram également. Donc il y aura 3 gagnants qui seront tirés sur ces réseaux sociaux, un de chaque. Mais histoire que ce soit équitable, qu'est-ce qu'on va faire? On va être intelligent. On va pas faire genre Facebook il va gagner ce lot-là et Twitter il va gagner ce lot-là. Non, ce serait désavantageux pour Instagram qui aurait le lot 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les 3 gagnants de chaque, on remélange et là on tire au sort lot 1, lot 2, lot 3 et ça sera le hasard total. Voilà comment ça va se passer. Donc n'hésitez pas à partager en nombre cette vidéo pour justement inciter vos amis à participer, soit pour vous, soit pour eux. Et puis ça, faut le dire aussi, nous ça nous aide à grandir, parce que forcément plus vous serez nombreux à nous suivre, plus on pourra vous proposer des lots, des concours, des ce genre de choses-là, des unboxings, etc. Ça paraît bête et logique, mais c'est la réalité des choses. Ouais. Et aussi, vous pouvez remercier Kamea Shop, il nous offre 10% de réduction sur tout ce que vous allez pouvoir acheter sur le site. Vous avez le code qui est là, voilà. C'est juste ouf, quoi. Donc allez-y, allez faire vos courses, surtout que c'est la nouvelle boutique Kamea Shop qui vient d'être lancée. Donc il vous offre 10%, donc profitez-en. Profitez-en, et franchement, moi ce Goku Black, je vois un Goku Black comme ça. Moi je suis satisfait. Direct, je participe direct. Merci encore en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à la RT en masse, parce qu'il y a des putains de trucs à gagner pour tous les fans de Dragon Ball, et on voulait vraiment vous remercier, et ça nous fait vraiment plaisir de faire des concours pour vous faire gagner des choses. Parce que pour nous c'est important aussi de remercier tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous soutiennent. Et on se fait plaisir à vous faire plaisir. À travers ça, ça fait vraiment plaisir. À travers. Merci encore, et matin. Et à toi.